Le 19 décembre prochain, Élodie Gossuin sera aux côtés du présentateur Olivier Mine et de la chanteuse Carla Lazari pour l'Eurovision Junior 2021. Un événement musical qui se déroulera à Boulogne-Billancourt, à la scène musicale. À cette occasion, Miss France 2001 s'est confiée à nos confrères de Télé 7 jours. Et elle a notamment évoqué un sujet très personnel. La vie d'Élodie Gossuin et de son mari Bertrand Lachery a changé le 21 décembre 2007. Ce jour-là, ils sont devenus les heureux parents de Jules et Rose. 6 ans plus tard, ce sont Léonard et Joséphine qui ont pointé le bout de leur nez, pour le plus grand plaisir de ses parents. Une belle tribu que la charmante blonde de 40 ans met parfois en avant sur Instagram. Elle rêvait d'avoir une famille nombreuse comme elle l'a confié à nos confrères, dans leur édition du 13 décembre 2021. Mais tout s'est accéléré quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, a-t-elle précisé. Bien qu'elle soit comblée aujourd'hui tant professionnellement que personnellement, Élodie Gossuin n'a pas caché qu'elle aurait aimé donner encore la vie. Aujourd'hui, j'ai du mal à faire le deuil de la maternité. On n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet à la maison. Si vous pouviez faire passer le message, rire, a expliqué l'animatrice de RFM. Si est-il désormais chose faite. Malgré tout, Élodie Gossuin est bien entendu très heureuse d'avoir 4 enfants, en bonne santé qui plus est. Et, à l'avenir, 2 d'entre eux pourraient bien être également sous le feu des projecteurs. Ce sont d'excellents comédiens. Surtout mes garçons. Quand j'avais leur âge, j'étais très concentré sur mes études. S'ils ont envie de pousser plus loin l'expérience, je les soutiendrai. Tout ce qui m'importait, si est-il de voir mes enfants sourire, a-t-elle conclu. Un défi qu'elle réussit à coup sûr. D'autant plus qu'en août dernier, elle a confié à Télé Loisirs qu'elle était une maman assez cool, peut-être même un peu trop. Élodie Gossuin est très proche de ses merveilles et se plaît à être leur confidente. Si est-il donc son époux Bertrand Lachery qui incarne l'autorité et cela l'arrange bien d'être la maman relaxe.